Yo les gens, c'est Gotek, j'espère que vous allez bien les gars, écoutez moi, ça va tranquille. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Donc tout simplement, avant d'aborder le sujet de la vidéo, je vais juste vous parler du gameplay et de me présenter vite fait pour les abonnés des chaînes communautaires, car je vais proposer cette vidéo là à plusieurs chaînes communautaires. Donc les gars, au niveau du gameplay, il s'agit tout simplement d'une double nucléaire faite par Nerox. Donc il l'a fait en solo avec la Weevil. Donc tout simplement pour les chaînes communautaires, moi c'est Gotek, donc ma chaîne sera en description. N'hésitez surtout pas à aller la checker, aller voir mes vidéos. Et donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéo là, parce qu'il y a ce genre de vidéo là dans ma chaîne. Bon, j'ai un peu répété le même mot, mais c'est pas grave. Donc les gars, aujourd'hui au niveau du sujet de la vidéo, je vais vite fait vous parler de Facebook. Donc de Facebook qui est en train de rattraper tout doucement YouTube. Donc les gars, comme vous pouvez le constater par vous-même sur Facebook, maintenant au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde son fil d'actualité Facebook, on tombe sur pas mal de vidéos. Donc ce qui veut dire que Facebook va peut-être mettre une petite... il va peut-être ajouter un petit onglet où il va proposer que des vidéos comme YouTube. Alors les gars, pour l'article que je vais vous lire par la suite, donc il sera en description, et je vais vous mettre aussi pas mal de screens. Donc tout d'abord, impossible pour Facebook d'ignorer ces chiffres et ces perspectives impressionnantes. Mark Zuckerberg a déjà affiché sa volonté de marquer le pas sur la vidéo, l'avenir du partage. Les dernières fonctionnalités présentées l'illustrent encore davantage, avec l'objectif d'augmenter le nombre de vidéos visionnées sur la plateforme. 4 milliards par jour depuis avril 2015 selon le CE de Facebook. Un chiffre similaire à son concurrent direct YouTube, mais en 2002. La filiale de Google ne communiquant plus sur ces chiffres pour éviter les manipulations selon elle. Donc tout simplement, comme vous pouvez le voir, donc maintenant sur Facebook il y a vraiment plein de vidéos. Donc il y a aussi des petits viners, mais il y a aussi genre des... quelques youtubeurs qui sont passés sur Facebook pour proposer leurs vidéos. Donc ainsi, après la vidéo à 360 et la vidéo flottante permettant de visionner une vidéo accrochée dans un coin de l'écran, tout en poursuivant sa navigation sur le site. Facebook déploie une série de fonctionnalités pour le gros consommateur de vidéos. Il sera bientôt possible de sauvegarder une vidéo grâce à un bouton dédié et de la retrouver via l'onglet sauver. Au jour d'aujourd'hui, on retrouve cette option-là, donc... si vous voulez sauvegarder une vidéo, vous partez juste au niveau de la vidéo, il y a une petite flèche vers le bas, vous appuyez dessus, il y a une petite fonction sauvegarder, vous appuyez dessus et donc voilà, votre vidéo sera sauvegardée. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà cette fonctionnalité là et c'est tout simplement vraiment très très pratique. Une nouvelle section entièrement consacrée à la vidéo va être créée, permettant de retrouver non seulement les vidéos sauvegardées mais également celles publiées par ses amis ou les pages auxquelles l'utilisateur est abonné. Section déployée sur le web depuis le menu latéral gauche et l'app mobile. Mais ce n'est pas tout. Facebook développe également un outil de suggestion vidéo via un algorithme de recommandation. Après chaque vidéo visionnée, d'autres vidéos susceptibles de plaire à l'utilisateur lui seront proposées. Ce dernier sera également incité à publier ses propres vidéos. Pour l'instant, cet outil est testé sur l'iPhone mais a vocation à s'étendre au web. En gros, si par exemple, si vous regardez des vidéos par exemple de Cyprien, ils vont vous mettre une vidéo de Cyprien que vous êtes déjà en train de voir. Et ensuite, lorsque vous terminez votre vidéo, ils vont vous en proposer une autre. Donc, sur l'application mobile iPhone, mais plus tard Android, le bouton Messenger accessible depuis la barre de navigation sera remplacé par vidéo. Donc on verra ça par le site de la part de Facebook. Et comme l'algorithme du newsfeed est calqué sur l'activité de chaque utilisateur, plus il consommera de vidéos, plus il sera susceptible d'en voir apparaître sur son fil d'actualité et donc d'en visionner et ainsi de suite. Un algorithme de recommandation basé sur la quantité de données utilisateurs collectées qui est la marque de fabrique de Facebook. Quand la consommation de vidéos sur YouTube se fait de manière beaucoup plus spontanée. Une régie publicitaire spécialement pensée pour la vidéo est également en développement. Les annonceurs pourront ainsi placer les annonces qu'ils souhaitent sur ce type de contenu. Depuis la fin de l'année 2013, les vidéos Facebook se visionnent en autoplay, lecture automatique sans le son, mais également sans
pré-roll publicité qui se lance avant la vidéo comme sur YouTube. Le problème de la monétisation d'une telle force de frappe se posait. Donc, comme vous pouvez le voir encore une fois sur Facebook, lorsque vous êtes sur Facebook et vous regardez tout simplement votre fil d'actualité, il y a quelques vidéos qui se lancent automatiquement. Donc, c'est une lecture automatique. Et en gros, il n'y a pas dans ces vidéos-là, de 1, je crois que la vue est comptée. Donc, vous avez une vue de comptée, je pense, j'en suis pas sûr. Et ensuite, par exemple, si vous allez appuyer sur la vidéo pour avoir le son, vous allez tout simplement pas avoir de publicité. Comme ce que, par exemple, ce que vous trouvez sur YouTube, vous allez trouver une vidéo, vous allez voir, donc vous allez lancer votre petite vidéo. Au début de la vidéo, vous allez trouver une petite publicité. Et ensuite, si la vidéo est longue, vous allez retrouver une publicité encore dans la vidéo. Par exemple, à 7 minutes, vous allez trouver une publicité qui dure encore une fois 30 secondes. Et ensuite, votre vidéo sera relancée. Vous allez pouvoir voir la suite de votre vidéo. J'ai envie de dire en quelques mots qu'en fait, l'idée que Facebook nous montre d'après cet article-là, c'est que c'est vraiment un truc très très pratique. Car tout simplement, si par exemple, plus tard, si vous êtes sur votre téléphone et vous êtes sur votre fil d'actualité et vous voulez voir des vidéos, bah, vous n'êtes pas obligé de quitter l'application Facebook et vous pourrez tout simplement aller sur l'onglet vidéo, comme ils ont dit au niveau de l'article, mais qu'ils n'ont toujours pas proposé. Donc les gars, si vous voulez tout simplement avoir une vidéo où je vais vous parler de la monétisation sur Facebook, donc tout simplement pour les vidéastes qui proposent des vidéos sur Facebook, ils gagnent quand même de l'argent sur Facebook. Donc si vous voulez savoir comment se déroule la monétisation sur Facebook, donc vous me le dites au niveau des commentaires, vous lâchez un maximum de likes et tout simplement je le ferai. Donc les gars, je tiens tout simplement à vous remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, de lâcher un maximum de likes si ce n'est pas encore fait, de vous abonner aussi pour atteindre, pourquoi pas, les 540 abonnés, ça serait vraiment énorme de votre part et je vous remercie aussi du fond du cœur pour ma précédente vidéo, pour le nombre de vues qu'on a eu en très peu de temps. Donc les gars, voilà, je vais pas vous retenir encore plus longtemps, donc vous pouvez aller checker le site au niveau de la description pour voir tout simplement l'article que je viens de vous lire. Donc je vous remercie les gars du fond du cœur. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Gotek, allez ciao tout le monde.